affectueusement appelé Frenchy, Nico ou Nick par ses coéquipiers de Portland, ou de Batman par ses supporters français, marqueur effréné dans toutes les positions, spécialiste des rebonds, dunks et passes millimétrées, voici l'histoire extraordinaire d'un phénomène qui rafle tout sur son passage. Né le 14 décembre 1988 à Lisieux en France, d'une mère française et d'un père camerounais, le petit Nicolas accompagne très tôt son père basketteur professionnel sur les parquets du championnat de France. Nico est né avec un ballon de basket entre les mains, donc il suivait son père partout, quoi. Dès qu'il a su marcher, il l'emmenait à l'entraînement. Sa salle de jeu, c'était les terrains de basket, quoi. Il suivait son papa partout. Son premier panier de basket était ainsi un an, donc c'était juste dans la lignée et dans la logique des choses, quoi. Donc il n'y a pas eu une naissance, c'est pas arrivé, il l'avait dans le sang, quoi. C'est un sport familial, c'est un sport très familial, et puis voilà, mon père jouait, mes oncles jouaient, puis étant très chargé, une taille assez conséquente, s'il étant plus jeune, donc c'est venu naturellement. À 2 ans, il s'entraîne à reproduire les lancers francs de son père à l'arrière de la maison. Est-ce le destin ? À cet âge, le petit Nicolas savait qu'il allait faire du basket plus tard, comme papa. Et son papa, je pense, lui a justement donné en héritage ce don que lui avait aussi. Il n'a à peine que 2 ans et quelques mois quand son père, Richard Batum, meurt foudroyé à 30 ans par une rupture d'anévrisme sur le parquet de Proville, dans le nord de la France. Voilà, c'est tout. En un quart de seconde, c'était terminé. C'était foudroyant, en lancer franc. Lancer franc, il s'est écroulé au sol, c'était terminé. Pourquoi ? Je me pose encore la question. Ce fut très délicat pour la mère de Batum de parler au petit Nicolas de la mort de son père. Ça a été difficile, oui, parce que vous ne pouvez pas dire à un enfant « c'est fini ». Pour un enfant de 2 ans, la mort n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Donc oui, c'était difficile. C'était difficile et puis il a eu beaucoup de mal à écouter certaines choses. Il a jamais vraiment voulu entendre certaines choses. Seule, Madame Batum n'abandonne pas. Avec détermination, elle accumule les boulots pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Elle accompagne Nicolas à construire son rêve, celui de devenir basketteur pro. L'aventure commencera dans le club de Pont-l'Évêque, l'USPLB en Benjamin, puis Caen Basket Calvados. Le besoin de canaliser son talent et son énergie l'amène à intégrer tout naturellement le centre de formation du Mans. Il travaille sur les rebonds, les shoots et excelle à tous les postes. Quand j'ai cherché à intégrer le centre de formation au Mans, j'étais en avant tout pour devenir professionnel. Et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons, j'ai passé les étapes et puis je suis devenu pro. Il signe ce premier contrat pro à 17 ans seulement. Sa maman garde un très bon souvenir. Ce que j'ai ressenti, une fierté, quoi. Une fierté parce que... Voilà. Ça a été beaucoup de sacrifices, faut pas croire. Ça a été beaucoup de sacrifices au niveau de Nicolas, mais au niveau de Pauline aussi, sa sœur, et également au niveau à moi. Le monde a vraiment, pendant des années, tourné autour de Nicolas. C'est vrai qu'on a laissé plein de choses de côté pour l'aider à arriver au bout de son rêve, quoi. Il passera 3 saisons au Mans, sous la houlette du perfectionniste Vincent Collet. Champion d'Europe cadet en 2004 et champion d'Europe junior en 2006 avec l'équipe de France, Nico sera la même année nommé meilleur joueur du tournoi de Mannheim et du championnat d'Europe junior. En juillet 2007, il fait honneur au maillot des Bleus et remporte la médaille de bronze avec les juniors des moins de 19 ans lors du mondial organisé en Serbie. Et chaque fois que j'ai porté ce maillot-là, c'était à chaque fois la même fierté. Et voilà, tu te transcendes quand tu portes ce maillot-là. Ouais. Il participe au Nike Hoop Summit 2007 de Memphis et termine meilleur marqueur du match avec 23 points. 9 sur 13 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 4 rebonds, 4 interceptions, ce qui attire l'attention des recruteurs NBA. En juin 2008, alors que Nicolas se prépare pour la draft NBA, la grand-messe où les jeunes espoirs du monde entier sont recrutés par les franchises américaines, il confie naïvement au cardiologue des Raptors de Toronto que son père est décédé sur un terrain de basket. Comme par hasard, celui-ci détecte chez le Français une grave anomalie cardiaque. C'est le drame. La fin d'un rêve.
Son papa a été décédé d'une rupture d'anévrisme et on lui a annoncé une faiblesse cardiaque. Donc déjà, ça n'avait aucun rapport. Et puis je me disais que c'était pas possible parce qu'il avait passé des milliers de tests avec l'équipe de France. Et puis on a toujours fait très attention à lui comme à Pauline. Parce que bon, voilà, on ne savait pas, on n'a jamais vraiment su d'où venait cet accident cérébral. Donc on les a toujours surveillés. Donc pour moi, c'était pas logique. C'était pas logique, de toutes les manières. Ça n'avait pas de sens. Et moi, je lui avais dit, mais t'inquiète pas, quoi, c'est pas grave. C'est clair que t'es un super basketteur et s'il faut rebondir, eh ben, tu vas repartir un an, deux ans en Europe et tu te représenteras à la draft en deux ans parce que de toute façon, t'as rien, c'est clair. À ses côtés, Buna Ndiaye, un homme extraordinaire qui, avec sérénité, transcende son rôle d'agent pour épauler Nicolas comme un père. S'il avait pas eu Buna, je ne sais pas où on serait aujourd'hui, quoi. C'est quelqu'un de la sagesse africaine. C'est quelqu'un d'extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Souvent, je lui dis, mais quelle chance on t'a de t'avoir dans notre vie, quoi. C'est vraiment... C'est plus qu'un agent. Moi, ce que j'ai toujours apprécié de lui, tout au début qu'il est venu, hein, parce qu'il a commencé à prendre contact quand Nico n'était pas majeur, hein, donc il venait juste... Et moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est que... OK, il est là pour le business, parce que c'est son job, mais il a un côté humain. Alors, de temps en temps, bon, voilà, il va prendre son joueur entre quatre yeux pour l'engueuler, parce que ça ne l'a pas fait au niveau basket. Mais à côté de ça, il y a toujours le côté comment tu vas, comment tu manges, est-ce que tu es fatigué, est-ce que... Le côté humain. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agents, parce que j'en ai vu quand même quelques-uns. C'est quand même un monde de mafia et puis de requins. Et Buna, voilà, c'est l'exception, quoi. C'est le mec génial. Et je pense que si Nicolas est où il est aujourd'hui, si moi j'ai fait une bonne partie, il en a fait aussi une bonne aussi. Et il est toujours là dans sa vie et je pense que c'est son point de repère masculin, quoi. Le fait de malheureusement plus avoir son père, je pense que le point de repère masculin, c'est Buna. Et Nico a la chance de l'avoir comme agent. Déterminé à ne pas abandonner son rêve, accompagné de son agent, il décide alors de se soumettre à une contre-expertise à Cleveland, dans le plus grand centre cardio du monde. Pendant deux jours, il est disséqué de la tête aux orteils. Épaisseur des parois ventriculaires, taille des artères, systolique, pouls, tout est scruté. Et là, j'étais même pas au courant, ils n'avaient même pas voulu me dire ça, que tous les tests cérébraux, je ne l'ai pas su, je l'ai su après. Donc jusqu'au bout, quoi, c'était l'horreur, jusqu'au bout. Le verdict des meilleurs experts tombe, Batoum est apte. Je l'ai appris par Buna, parce que Buna me tenait informé régulièrement au téléphone et on a eu un soulagement. Après cette délivrance, c'est le début de l'American Dream. Au printemps 2008, il s'inscrit à la Draft NBA 2008 qui a lieu en juin et est sélectionné en 25e position par les Rockets de Houston, mais est immédiatement envoyé sur les rives du Pacifique aux Trail Blazers de Portland. En juillet 2008, le descendant d'Ezeka au Cameroun arrive à Portland, une ville de 600 000 habitants qui voue un véritable culte à la seule grande équipe professionnelle du coin. Ils nous ont bien intégrés, vraiment, enfin, montré les bons points dans la ville, les bons plans, où habiter, tout ça, c'était super cool. Ouais. Le Frenchie participe à la NBA Summer League avec les Trail Blazers. Il marque en moyenne 6,8 points, prend 4,6 rebonds et perd 3,4 ballons en 5 rencontres. Le 28 octobre de la même année, il participe à son premier match officiel en NBA lors de la première journée de la saison régulière contre les Lakers de Los Angeles et marque 2 points. J'ai toujours perçu en fait un match de basket, voilà, pour moi c'est un 55 avec un ballon et que ce soit sur un parquet NBA ou un playground dehors, pour moi c'est exactement la même chose en fait. Et j'espère que ça soit juste comme le jeu et que je dois gagner le match. J'étais plus stressé parce que comme j'étais un jeune qui est rentré sur un terrain que impressionné par tout ce qu'il y a autour. Ah bah face à Kobe, ça celle-là, je pense que c'est un truc. Il dit c'est pas possible, je le touche, c'est moi qui défends dessus, c'est moi qui... Je pense que même encore aujourd'hui c'est un rêve quelque part. Quand il se retrouve face à ce genre de joueur qui est quand même une légende, faut pas... Je pense qu'il doit se pincer en se disant punaise, mais c'est moi quoi. Loin de gaspiller avec insolence ses premiers millions de dollars dans les grosses bagnoles, soirées et autres, le monde des paillettes et de la célébrité lui est indifférent. J'essaie de ne pas y penser justement, de ne pas y penser, de ne pas me prendre pour qui je ne suis pas. Quoi. Donc j'essaie juste de jouer, de gagner des matchs, de m'amuser avec mes potes sur le terrain. Et puis voilà, après de penser à ce que c'est la star, l'étoile, le truc, la dèle,
j'aime pas ces trucs-là parce que ça, après, ça, pour moi, ça manque de respect envers les autres, donc moi, je pense pas à ces trucs-là. Sous la protection de son coéquipier Brandon Roy, le Frenchie se concentre sur son basket. Observe, écoute, travaille, joue du pur basket sans complexe devant les stars de la NBA et gagne sa place. Il réintègre le 5 majeur contre les Timberwolves de Minnesota pour un match mémorable. Batum marque 31 points, offre 7 passes, prend 7 rebonds, 3 interceptions sans jamais perdre la balle en 29 minutes de jeu. La meilleure rencontre de sa carrière NBA. En 2011, il est retenu en équipe de France senior pour la Lituanie par le coach Vincent Collet. L'entraîneur des Bleus sera impressionné par son talent, sa jeunesse et sa capacité à progresser. Lors des matchs préparatoires à l'Euro, il prend plaisir et ses marques avec son pote Joachim Noah. C'est un Noah, on connaît un peu le père, donc le fils c'est un peu la même chose, c'est un mec qui est un peu, voilà, qui vit sa vie, qui a vie, la vie à fond, et que sur un terrain qui se transcende, qui fera tout pour gagner, qui donnera tout, que sur un terrain qui se transcende, qui fera tout pour gagner, qui donnera tout pour faire gagner ton équipe. Et c'est une drôle de personnalité, mais super attachante, il amène la vie dans le groupe, et voilà quoi, quand il est pas là ça sent parce que ouais, il manque quelque chose en fait. Nicolas s'affirme comme le démolisseur en chef avec le costume de Batman lors d'un championnat d'Europe ahurissant. Avec Joachim Noah, Kevin Serafin, Boris Dia, Andrew Albici, Tony Parker et un groupe soudé, il aidera la France à décrocher la médaille d'argent à l'Eurobasket 2011. On a fait quelque chose d'énorme, c'était long, ça a duré 3 semaines. Mais ce qu'on a fait, ouais, on a fait enfin une épopée de malade. On a 9 victoires, 2 défaites, on perd 2 fois contre les champions à la fin. Donc on a quelques regrets quand même, mais bon, on a arraché la qualif pour les JO. On n'a pas qu'une médaille, un truc que les baskets français n'avaient jamais fait auparavant. Donc non, c'était génial, c'était plutôt cool. Ouais. Le fait de représenter ton pays, le fait de représenter voilà, la France et défendre les couleurs partout dans le monde ou en Europe, enfin partout quoi. C'est même en NBA quoi, je porte pas le français, mais bon, j'ai sur mes chaussures, j'ai le drapeau français, donc je revendique vraiment la France quoi. Le lockout de la NBA fait le malheur des fans américains, mais le bonheur des clubs et des supporters français. Les stars de la NBA débarquent dans les clubs européens. Boris Dia à Bordeaux, Tony Parker à Villeurbanne et l'ailier de Portland rejoint alors le Sluck Nancy pour le plus grand plaisir de son président. C'est 2 jours avant qu'il vienne signer son contrat, j'ai reçu dans mon entreprise un coup de téléphone. Un numéro que je ne connaissais pas. Et il s'est présenté, Nicolas Batum. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, viens plus. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Yama ? Il m'a dit, rien, monsieur, c'est pour vous remercier de m'avoir embauché. En 8 ans, c'est le premier joueur qui me disait ça. Ça touche. Je ne voulais pas rester non plus sans jouer. Donc j'ai décidé de revenir jouer en France. Et je voulais jouer aussi l'Euroleague, donc qui est la meilleure compétition en Europe. Donc, Nancy était la seule équipe qui pouvait m'offrir ça, donc je choisis Nancy. Une belle affaire pour le président. Oh, c'est plus qu'une belle affaire, c'est une affaire humaine, très humaine, en plus avec un garçon qui est super gentil, qui est très disponible. À la fin du match, ce que je ne faisais jamais à Nancy, même quand les autres joueurs rentrent au vestiaire, lui fait un tour de piste et il va serrer les mains à tout le monde. C'est grand et je suis très content pour les gosses qui le regardent. Dont ma petite fille qui joue au basket ici, elle ne rêve que de lui.
Pour son premier match avec le SLUC, il remporte le match des champions contre l'Élan Sportif Chalonnais et est élu meilleur joueur du match. Il fait tout ce qu'il faut d'utile pour les équipes dans lesquelles il joue et il est présent dans tous les domaines. En fait, notre style de jeu est ancré autour de la position qu'il joue en fait. C'est la position de 3 et c'est un joueur qui il voit le terrain, il peut être agressif, il peut poster, il peut défendre. Donc je pense que c'est un joueur très polyvalent et je pense que c'est le style de joueur pour cette équipe. Quoi. Il s'avère que c'est un des meilleurs joueurs de l'Euroleague, donc pour nous c'est un renfort de poids, c'est évident. Ses valeurs l'amènent à s'intégrer facilement au sein d'un groupe soudé. Les joueurs qui pouvaient avoir un doute, est-ce qu'un joueur NBA va venir pour se montrer lui-même dans le cadre de notre équipe, ils ont très vite compris que Nicolas vient pour aider l'équipe et pour faire tout ce qui va être utile à l'équipe. Il n'aura pas fallu longtemps pour s'en rendre compte. Une part prépondérante dans le bon début du SLUC en Euroleague aux côtés de son compatriote Victor Samnik. Je dirais super joueur, super altruiste, très généreux et assez simple comme personne parce que on rencontre pas tout le temps des joueurs NBA aussi laid back comme on dit en anglais. Il est vraiment peace, il se prend pas pour autre chose. Très très ouvert, toujours en train de rire, toujours le sourire. Il est super zen, il se prend jamais la tête et il est positif tout. Et ça fait du bien d'avoir un mec comme ça. Et en tant que joueur sur un terrain, ouais, il donnera tout, il fera tout pour gagner l'équipe. Le Ricain dispute au total 6 rencontres dans cette compétition avec un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites et des statistiques de 15,8 points, 6,7 rebonds, 5,2 passes, 1,7 interceptions en 37 minutes. Nico joue également 8 rencontres de Pro A, remporte 7 victoires, dont une face à l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, le club de ses coéquipiers en équipe de France, Tony Parker et Ronny Turiaf, pour une seule défaite face à son club formateur du Mans. À chaque rencontre, il enchante le public et ses partenaires du Palais des Sports de Gentilly avec sa défense, son sens du jeu et sa prise de responsabilité. Il retourne en NBA après l'annonce d'un accord entre les propriétaires et les joueurs de NBA, mettant fin au lockout avec le sentiment d'avoir pris du plaisir. De très bons souvenirs, c'est clair, ça m'a fait du bien de rentrer. De rentrer, de pas me mesurer et savoir où j'ai commencé, si j'ai progressé ou pas en fait. Quand je suis parti à 3 ans, voilà, j'étais un jeune 19 ans, j'avais un certain niveau. Et là, 3 ans après, en fait, je vois que j'ai vraiment passé un cap. Quoi. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte en NBA. Là, je pense vraiment, j'ai vraiment vu. Donc, ça donne encore plus de confiance pour retourner à Portland et encore plus travailler et c'est d'être encore plus fort. En plus de ses qualités physiques exceptionnelles et une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, Batum n'aime pas parler de réussite. Il reste humble et n'en oublie pas l'Afrique, la terre de son père. Ses souvenirs du Cameroun remontent il y a 20 ans avec sa sœur Pauline et sa maman. Je suis très fascinée par le continent africain, donc j'adore le Cameroun. J'accompagnais mon beau-père qui m'emmenait dans les collines derrière à Ezeka. Ça m'arrivait de partir avec ma belle-mère le matin au champ. Moi, je suis très caméléon, donc on mélangeait un peu nos cultures. Alors, on faisait à manger, on a même fait des tartes aux pommes. C'était très drôle. Non. Puis j'avais un beau-père qui avait beaucoup d'humour, c'était assez génial. Très ouvert, parce qu'il avait quand même travaillé en France. Qui connaissaient un peu la culture française. Et donc, non, c'était des belles expériences, des belles images. Et puis bon, Nico, il joue au basket. Hein, il a joué au basket une fois sur le terrain des Ezeka, à côté de la poste, là-haut en centre-ville. Bon, c'est sympa. Altruiste et à force d'aimer les enfants, la famille Batum a créé une association, Batum Mama,
pour venir en aide aux femmes africaines vivant seules. Donc j'ai toujours été assez accro à l'humanitaire et puis bon bah voilà la souffrance des femmes. J'ai eu l'opportunité d'aller au Sénégal il y a 2 ans et puis je me suis retrouvée dans une pouponnerie tenue par une Française et puis bon bah voilà tout a évolué assez rapidement et j'ai beaucoup parlé de la souffrance des femmes enceintes qui est assez terrible. Donc voilà comment est venue l'association Batoum Mama. Madame Batoum et Pauline, la vice-présidente, sont très actives au sein de l'association. Elles ont commencé à Portland en organisant un grand gala et une vente aux enchères pour lever des fonds. Tous ses coéquipiers, ses coachs, le staff technique, les managers et même le président du club sont venus. La première opération en France était une journée dédiée au basket pour rendre hommage au feu père de Nicolas. Dans la région, on est pas mal invité par des clubs de basket lors de matchs. Donc on a des stands où on vend nos t-shirts, des bracelets à l'effigie de l'association et de Nicolas. Et sinon, on organise des matchs de basket ou des soirées, toujours pour récolter des fonds. La construction du premier centre de Mbour, à 80 km de Dakar, commence dans les mois à venir et permettra à une centaine de jeunes femmes de ne pas déposer leur bébé dans des poubelles parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'en occuper. On leur donnera justement le choix de garder leur bébé parce que bon, malheureusement, beaucoup les mettent à l'abandon. Il y a énormément d'infanticides aussi, ce qui est assez terrible. Ou alors, tout simplement, accoucher dans des conditions humaines, quoi. Ce qui est déjà pas... C'est pareil, c'est pas non plus à 100% là-bas. Donc voilà, on veut les aider. Et les jeunes femmes qui garderont leur bébé, on essaiera de leur donner une formation. Ou couture, ou maraîchère, ou cuisine. On va essayer de travailler sur ce genre de formation, de façon à ce qu'au bout d'un an, un demi, 2 ans, elles pourront rebondir avec leur bébé et puis voilà, les nourrir et travailler, quoi. Et on veut essayer de les former, de les aider à approcher la vie d'une meilleure façon. Notre première expérience se fait au Sénégal et on souhaite vraiment s'étendre dans d'autres pays africains tels que le Cameroun. C'est clair qu'on ira aussi au Cameroun travailler. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, on apprend et on a préféré apprendre sur un terrain neutre, ce qui paraissait plus facile, quoi. Et quand on arrivera au Cameroun, ben justement, on connaîtra un maximum d'humanitaires, d'ONG et on fera des très très belles choses aussi là-bas. Quand il est dans le village de son père à Ezeka au Cameroun, il aime écouter les conseils des vieux sages. Il prend plaisir à jouer avec les jeunes du quartier tout en leur donnant quelques précieux conseils. C'est important parce que moi, c'est qu'à l'époque, voilà, si j'aimais bien aussi que les pros parlent avec moi, partagent leur expérience et me disent comment ils ont fait pour réussir. Puis me posent des questions par rapport, oui, comment t'as fait pour arriver ici, t'as fait quoi, qu'est-ce que ça fait d'être là-bas, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver aussi. Oui, c'est bien de partager leurs trucs, voilà, parce que s'ils peuvent réussir avec un ou deux conseils que j'aurais donné, oui, ça peut me faire plaisir, c'est sûr. Encourager les enfants à suivre leurs rêves nécessite beaucoup d'implication des parents. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de, comme n'importe quelle maman du monde, être présente, être là. Si elle croit en son fils ou à sa fille, et si des personnes extérieures, comme ça s'est passé pour Nicolas, détectent un don ou vraiment quelque chose, oui, voilà, faut l'accompagner. Mais c'est des sacrifices, c'est clair. Il y a plein de choses à mettre de côté, hein, parce que... On a souvent été sur la route, on a souvent été dans des salles de basket et au niveau sacrifice familial, parce que dès que Nicolas a commencé à jouer un peu à haut niveau, eh bien, il avait quoi ? Il est rentré en centre de formation, il avait 14 ans. À partir de 14 ans, il n'y avait plus de week-end, plus de vacances scolaires, pas beaucoup de repas de famille. Ça, il faut y penser aussi. Avec l'expérience que nous avions eue par rapport à son papa, moi je lui ai dit, écoute, t'as 17 ans, aujourd'hui c'est le basket, j'ai dit fonce. Le bac, les études, tu pourras les passer après. Tu pourras reprendre tes études à 30 ans, s'il faut. Mais aujourd'hui, tu as une opportunité, prends-la. Voilà, moi, c'est comme ça que je lui ai parlé. Après, je sais que la culture africaine veut que les études. Ça, c'est vrai, c'est clair. Mais pareil, il y a des Français qui sont pas comme ça. Bon, moi, je vous dis, le fait que son papa soit parti à 30 ans, je me suis dit, attends, si tu es heureux dans le basket, vas-y, quoi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et les études, on peut toujours les reprendre à tout âge. Il y a des personnes de 80 ans qui reprennent leurs études. Après avoir vu les conditions dans lesquelles les jeunes au Cameroun jouent au basket, Nicolas travaille sur un projet sportif pour leur permettre de vivre leurs rêves. C'est vrai que moi, les conditions de travail sont pas vraiment optimales
sur le continent en général, on va dire. Et c'est clair que là, maintenant, il y en a plusieurs qui mettent des actions pour sûrement faire des académies ou je ne connais pas avec Samuel Eto'o qui a fait ça au foot. Donc moi, j'ai un projet comme ça aussi pour le basket. Et voilà, parce que c'est clair, il y a un potentiel énorme dans notre pays, dans le continent en général. Et juste, voilà, on est là, on va essayer de mettre des trucs en place pour les faire progresser, pour les faire travailler, pour développer ce potentiel et qu'on les oublie pas, quoi. On va mettre des choses en place pour eux quand même. Et voilà, quoi, qu'ils ont des ressources énormes, ils ont un potentiel énorme, ils ont un pays magnifique. Et voilà, quoi, c'est peut-être c'est les plus belles terres du monde, peut-être le plus beau pays du monde. Et que voilà, quoi, qu'ils ne désespèrent pas, car oui, on pense à eux et qu'on va tout faire pour aider à les développer. Aujourd'hui, il consacre beaucoup de temps à ses proches et assure bien son rôle de chef de famille. Le jour où il était drafté, il m'a dit maman, t'arrêtes de travailler et vous me suivez, vous venez avec moi aux États-Unis. Je m'occupe de vous, quoi. Donc voilà. Donc on a eu aussi notre rêve américain. On a réussi, quoi. Punaise. On a galéré, mais on a réussi. Du haut du ciel, le père peut être fier de son petit Nico qui porte bien l'héritage.